السلام عليكم الاخوان الاخوات، فيديو جديد اليوم السبت. كما قلت لكم غادي نتكلم لكم على اللجوء عبر ممر روكسام. في هذه الاونه الاخيره هناك تدفق كبير للاجئين من امريكا، لان امريكا ما كتبغيش تصوب لهم الوراق وما كتبغيش تعطيهم اللجوء السياسي. ولهذا هذوك الناس اللي حارقين الفيزا او لا داخلين الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية، كي يغامروا أنهم كيطلعوا حتى الحدود مع كندا وكيدخلوا على ممر روكسام، وكتلقى لهم السلطات الكندية وكيطلبوا منهم الأوراق، وكيشوفوا من أي بلد. إذا كان عندك البلد يعني كيمارس فيه القمع وفيه الضغط وكيحس الانسان انه حياته مهدده، مثلا بحال واحد التشادي انتقد الحكومه وخاف على راسه وخرج مشى للميريكان ومن ثم دخل لكندا باش يطلب اللجوء. انتما غتشوفوا في الفيديو كاينه واحد كولومبيا حتى هي، لان كولومبيا حتى هي معروفه بانها فيها القمع، ومثلا بحال العراقيين ولا بحال السوريين لان بلادهم فيها الحرب، هادو كلهم الى دخلوا على داك الممر يقدموا الوراق ديالهم ويثبتوا بانهم سوريين وكياخذوا اللجوء. وبما انهم كثار ما قدروش يوفروا لهم السكن وشراو دي غلوت غيحطوهم فيهم حتى يعني يلقاو لهم سكن فين يستقروا. انتم غتشوفوا الفيديو وتابعوه وفرجة ممتعة. نخليكم على خير وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله. Chemin Roxham, fin d'après-midi. Ils sont déjà plus d'une centaine à avoir traversé la frontière. Plus de 13 000 demandeurs d'asile ont emprunté ce passage de janvier à mai, du jamais vu avant l'arrivée de l'été. Finalement réunis, les réjouissances seront de courte durée pour cette famille colombienne. Des formulaires de vaccination ne seraient pas en règle. Triste. Ces sœurs devront patienter dans ces roulottes de fortune où elles ont déjà passé deux nuits mouvementées. Dicen que las dejan dormir en el piso con los niños. No sé mucho. L'agence des services frontaliers devra ajouter des roulottes pour répondre à l'afflux qui augmente. Leur capacité passera de 297 à 477 personnes. Ils nous ont mis ici. Mamat, 23 ans, a dû fuir le Tchad, persécuté pour avoir critiqué le gouvernement. Franchement, j'ai eu peur. Est-ce que je vais retourner? Est-ce que je vais mourir? Ses deux premiers jours au Canada, dans une roulotte, lui ont laissé un arrière-goût amer. À la frontière, c'est la galère. Franchement, c'est pas facile. Il n'y a quasiment rien, juste des lits et des draps. Et puis voilà, c'est la bouffe, c'est pas quelque chose de très résistant. Le goulot d'étranglement, ce sont les hôtels réservés par le fédéral. Les séjours destinés à une quarantaine de deux semaines se prolongent. Combien de temps vous prévoyez rester? Un mois et demi. Et la crise du logement complique la sortie des hôtels. Annexe pour l'immigration. Les demandeurs d'asile sont souvent dépassés par la lourdeur administrative. Quand on est sur le terrain, on est un peu frustré parce que nous, on vient avec un mandat particulier qui est celui de les aider à chercher un logement. Mais on est interpellé pour tout ce qui précède ces démarches-là. Québec accuse Ottawa d'accepter trop de demandeurs d'asile par rapport à la capacité d'accueil. Et c'est la raison pour laquelle on assiste à l'addition des roulottes. Et c'est évidemment dans des conditions humaines qui sont certainement discutables. Les roulottes ont déjà coûté plus de 7 millions de dollars et leur facture augmentera avec l'ajout de nouvelles installations temporaires. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Saint-Bernard-de-la-Colle.